السلمين كفينتيا بالقرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جيا اسكي بان كنا لا كوليسانس بان كي كولي زون باري كما بان كي باكولي. Ensuite, la paix et bénédiction au Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fit faire le colis à travers hadith authentique. Al-ulama wa ratatul anbiya. Ban savant, c'est ban héritier de ban prophète. Et ban prophète, l'héritage que je te fais quitter pour ban savant. Mon Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam t'a connu qui s'avance ça dans la zone qui hérite ni d'argent ni richesse. Mais innama dhabratul ilm, l'héritage qui ban savant qui gagne, c'est la connaissance. Il appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, sa ban compagnon et tout ban qui suit jusqu'à jour qayamat. Frères en Islam, le khutba aujourd'hui il vous concerne l'importance, la connaissance islamique. Mais n'a aucun doute dans sa verset que nous visitons au commencement « Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun » dire « Est-ce qu'il manque qu'il a la connaissance ?» Je t'égale avec pas de peine à la connaissance, vérité qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître, ce qui peine à aucune égalité entre sa deux catégories du monde. Nous ne pouvons pas faire aucune comparaison entre celui qui a la connaissance et celui qui est considéré comme un ignorant, un jahil. Nous devons faire ici, c'est la connaissance islamique. Donc il est clair, c'est une incitation de Allah, c'est une motivation de nos créateurs pour qu'ils nous, en tant que musulmans et musulmanes, nous qui nous proclament Shahada, nous qui nous proclament l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous qui nous proclament qu'il y a un seul bon Dieu qui mérite l'adoration, et qu'il n'a dit qu'à l'insallallahu alayhi wa sallam, il c'est lui qui Allah il a envoyé, puis il enseigne au Mecque. Pour une enseigne du monde en général, pour vivre comme un serviteur d'Allah au sein de la terre, alors c'est une motivation dans sa vie, c'est là pour nous vivre parmi Mankina la connaissance. Mankina, la connaissance islamique. Comme ça, même dans un autre verset de l'Islam, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yakshallaha min ibadihi l'ulama. Dans Surah Fatir, Ayat 28. Allah dit certainement, Yafshallah, bantina la prière pour Allah, bantipé Allah, min ibadihi al-ulama. C'est mieux que bantina la connaissance qu'il a la prière d'Allah. Écoute les interprétations islam. Allah subhanahu wa ta'ala, ban mot qui est inséré dans le Coran, dit dans ce place qu'il disait. Et ici, normalement, côté grammatique, on va dire côté grammaire dans la langue arabe, normalement, un sujet qui vous a mis après ce verbe. Mais ici, le sujet qui vous a mis bien après. Innama yakshallaha min ibadihi l'ulama, ben l'ulama est un sujet. Mais ce n'est pas qui vous a mis après le verbe yaksha, ce qui vous a mis tout de suite après le verbe, c'est ce qu'on appelle en français sioné, complément. Donc je dirais, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben ça veut dire, ben qui explique pour un je veux dire, c'est jamais le mot Allah subhanahu wa ta'ala tu viens après, c'est au là tu viens après, et ça, celui qui veut faire l'action, tu viens avant, dis pas que tu peux la même signification. Dis pas que tu peux la même l'emphase. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut faire connaître à travers sa vie, c'est là, innama. Yafshallah min ibadihi l'ulama. Certainement, ban qu'il a la crainte pour Allah, ce n'est que ban qu'il a la connaissance. Création d'Islam qui vient clair qui Allah peut faire nous connaître ici. Al-Khashya. Et comme ça même, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, dit
وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم سالموقتي دوبان كي إنا خشية الله كي نالا خين الله c'est une personne qui a la connaissance. Et comme ça même, Ibn Kathir rahimahullah dit, concernant sa même verset-là, « Innama yakshahu haqqa khashyatihi al-ulama al-arifuna bihi » Certainement, quand il a vrai crainte pour Allah, c'est « ban ulama » quand il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. « Liannahu kullama kanat al-ma'rifa lil-azim al-qadir atam » والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. Certainement, aussi longtemps que la connaissance qui amène nous beaucoup, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, est complète. Veut dire qu'il nous khashya nous craint, mais pour qui complète pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talha, il dit à qui ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit à qui c'est dans sa vie, c'est là. الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. Banti connaît que Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de toutes choses. Qui banti na khashya pour Allah, veut dire banti a la connaissance pour Allah. Banti a la connaissance islamique. Comme ça même, Sa'id ibn Jubayr rahimahullah dit, Al-khashya hiya allati tahulu baynaka wa bayna ma'siyati Allahi azza wa jalla. La crainte, al-khashya, qui fait une pécose concernant le khashya dans sa vie, c'est là, parce qu'il y en a deux fois, il fait une différence qu'il y en a en taqwa Allah, qui nous traduit presque pareil, la crainte pour Allah. Mais seulement il y a une différence entre les deux, qui nous mettait après. Ici, il fait dire khashya Allah, c'est qui infrayer, qui empêche nous à commettre des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, l'état de guerre concerne en définition entre khashya avec taqwa. Taqwa que les frères sont en islam, en général, un yaj'al al-insan wiqaya baynahu wa bayna ma yakhaf. Qui est un insan et un djimoun. Limite un barrière en vie avec quelque chose qui est à la frayer. Mais il n'y a pas d'approche avec ça quelque chose-là. Mais tandis, un yaj'al al-ab. C'est qui un serviteur, imtital awamirillah ta'ala, n'est pas en considération par l'ordre Allah dans son ami. Wajtinab nawahihi. Et les respects et puis les obéissances qui fait. Wikayatan baynahum. C'est une barrière entre lui, wa baynama yakhaf min azabillah ta'ala wa iqabihi. Qui priait qui est là, c'est punition Allah. Alors c'est pour cette raison de taqwa, c'est sa qualité de prière qui lui pousse un djimoun pour obéir à Allah et lui empêche pour désobéir à Allah. En deux points, il peut mettre une barrière contre punition qui peut attendre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est taqwa. Peut-être qu'ici, il n'y a aucun, ce qu'on appelle la connaissance qui est mentionnée, qui est attachée avec taqwa. Mais comme un savant il définit khashya, je dis al-khawf al-maqroun bil-ma'rifati wa-ta'zim. C'est un frayeur qui est attaché avec la connaissance. C'est un crainte qui est attaché avec la connaissance. Comme une frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, je connais qui fait une frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, je dis aussi فَالَّذِينَ يَعْرِفُونَ اللَّهَ هُمُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَهُمْ. Qui connaît Allah, c'est pas qu'il a la crainte pour lui. C'est pour cette raison qu'il dans sa ayat-là, Allah il qualifie je, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ban savant, c'est pas qu'il a la crainte d'Allah dans eux, parce que ceux qui ont la connaissance. Frère, si on dit ça, la vie qui lui termine nos salariés-là, qui ne peine à aucun but, nous misère, chez amener une qualité d'avis qui pourra même nous vers la satisfaction d'Allah. Pour nous gagner satisfaction d'Allah, pour nous amener sa qualité d'avis là, sans la connaissance islamique, qui n'est pas possible. Surtout dans le monde qui nous bénit, aujourd'hui, qui remplit avec banquité, qui remplit avec banquite chose, qui pour capable, avec toute facilité, épanouir depuis le chemin droit. Sans la connaissance islamique, il n'est pas possible.
Vous me savez une pression d'islam. Nous calons Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tout le monde qui est présent là aujourd'hui. Et dans tout le monde des autres massifs. Qui vient nous présent. Nous voulons reconnaître l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a nourri à l'issolat yawm al jum'a. Fas'aw ila dhikrillah. Vite à dhikrullah. Vite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout vendredi. Nous présent là c'est parce qu'il nous reconnaît. Qui est le créateur qui vit de nous et l'autre nous met en présence là. Mais là, l'imam nous pose même la question. Mais c'est là qui vit mettre l'imam de nous l'écrire. Allah subhanahu wa ta'ala nous vit mener dans un instinct qui nous reconnaît qu'il est le seul bon Dieu qui mérite de l'adoration. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, comment se fait-il qu'il nous trouve capable à nous, Allah? Nous reconnaître comme nos créateurs, mais ce n'est pas nous pas comme nos créateurs. Nous pas connaît Allah subhanahu wa ta'ala qui se bat nom, qui se bat suivant, se bat qualité qui est possédé. Comment se fait-il pression d'islam? Nous pouvons demander avec Allah subhanahu wa ta'ala que nous pas connaît nos créateurs. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَالْعُوْهُ بِهَا. Allah il possède un joli nom. Invoque-lui à travers sa bande-là. Comment vous pouvez faire invocation pour des mandats dans les difficultés qui ont été? Si moi, je suis dans une difficulté ou pas dans une difficulté, où? Mais comment vous pouvez faire des mandats avec Allah subhanahu wa ta'ala comme pas connu lui-même? Il n'est pas possible. Comment vous devez accepter pression d'islam? Pour aller à la crainte pour Allah, c'est pour que nous connaissions Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui, à travers la connaissance, qui nous est capable de connaître nos créateurs. C'est lui qui nous fait adorer. C'est lui qui fait créer nous, puis mettre nous dans la terre, puis de nous tous nous faire bien faire, puis de nous tous nous bâtir. Et c'est lui qui nous a un retour au final. Il nous prend compte avec nous. À travers la connaissance islamique, les là qui nous capables de nos créateurs, les là qui nous capables de la crainte pour le créateur, les là qui nous capables d'amener sa qualité de la vie, qui pour amener nous vers l'Allah, satisfaction d'Allah. Sinon, il n'y a pas pour possible frère sur l'islam. Frère sur l'islam. Donc, l'importance de la connaissance islamique, nous voulons. Voilà l'importance, il y a beaucoup parlé sur l'importance. Premier pour nous dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas capables d'être musulmans et musulmans. Nous croyons dans Allah, mais nous ne sommes pas que nous, Allah. Nous ne sommes pas que celui qui nous met à l'oreille, il n'est pas possible sa flèche dans l'islam. Disons que Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, aucun but quand nous pouvons que Allah, nous ne sommes pas ibadat pour sortir. Dans ce qu'il appelle le routine. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous préfèrent faire cela. Nous connaissons qu'il avance différemment. Mais c'est pas des temps, beaucoup de fois, nous guettons qui préfèrent faire cela. Malheureusement, cela n'a pas permis ce qu'il appelle celui qui a fait l'idée qu'il disait faire dans ce temps. Allah dit dans le Coran, il n'a cela de tenir à l'infraction ou à l'unca. Certainement, cela qui protège un petit contre l'immoralité, contre le mal. Mais ce n'est pas du coup celui qui fait un salat, il est dans le mal, il fait une moralité, ainsi de suite. Mais pour quelle raison? C'est parce que salat est une routine. Salat qui nous peut faire aujourd'hui un exercice, récitation. Nous ne connaissons pas qui nous peut dire, quand nous peut dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin, quand nous peut réciter un ayat Coran de tous les jours, qui nous lit normalement, nous ne connaissons pas qui nous peut dire avec nos créateurs. Petite qualité, rachat, qualité, rouge, rouge, est-ce qu'il nous soit là pour la se lever, pas pour la lever? Mais frère, sur l'islam, c'est à travers la connaissance islamique. Alors, il est important en tant que musulmans et musulmanes pour nous assister à sa connaissance islamique, pour nous faire zéro, pour aider à sa qualité de connaissance qui pour aider nous, pour amener nous vers une destination finale, le paradis, Inch'Allah. Et ça a une nouvelle, deuxième avantage, deuxième importance. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. » C'est lui qui emprunte un chemin. Et dans ce chemin-là,
visait sa connaissance au vital de la connaissance islamique. Pas les petits chemins, pas les petites connaissances, c'est connaissance islamique. Connaissance concernant dîn Allah, connaissance concernant l'islam, connaissance concernant ce qui est halal, ce qui est haram. Connaissance comment pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sa qualité connaissance là, son résultat côté quoi maintenant, sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah facilite pour nous à travers ce chemin qui nous fait pas toucher à sa connaissance islamique là, un chemin vers le paradis. Un chemin vers le paradis. Nous tout qui l'apprécions l'islam, grand et petit, homme et dame, pose la question, est-ce qu'il est content pour rentrer dans le paradis? Nous tout pour dire oui. Pour pas croire qu'il y a un corps qui nous dit non. Mais vrai sur l'islam, un chemin qui nous amène nous vers le paradis, c'est à travers la connaissance. Parce qu'à travers la connaissance, il est plus facile pour nous vivre la vie au Sanatiana. Et de là, nous atteignons à l'objectif d'après Allah subhanahu wa ta'ala. Pression islam. Une troisième importance. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Meilleur parmi eux. Dites le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, petit en sa haditha, la yaqtiqu 'anil hawa. Il parcourt d'après ce désir, d'après ce passion. Et ce bandeau, quand il finit sa vie, il connaît qui bandeau qui finit sa vie. Quand il dit, khayrukum, meilleur parmi eux. Meilleur que Allah subhanahu wa ta'ala. Qui s'en a qui meilleur? Man ta'allama al-Qur'an. C'est lui qui apprend le Coran. Dites qui Allah qui l'a envoyé pour nous. Guidance, qui Allah qui fait nous connaître. Houdel l'innas, un guide pour Bantimoun. Houdel l'imoutabin, un guide pour Bantina Taqwa. Ça arrive là, nous qui s'est connu qui l'a là-dedans. Il n'est pas possible pour nous prendre comme un guidance si nous ne connaissons qu'il l'a là-dedans. Et qu'est-ce qu'il a dit qu'il est sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit Khayrukum meilleur parmi eux que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui a pas le Coran. Parce que je dis malheureusement, beaucoup parmi nous comprennent qui a pas le Coran veut dire beaucoup de lire le Coran. N'arrête pas la Bible. Frère sur l'islam, a pas le Coran, c'est une partie. Ensuite, il y a compréhension à le comprendre qui a pas le dire. À travers sa bande d'essais qu'il est bien enregistré dans le Coran. Et troisième, c'est mettre en pratique les rats qui nous font meilleur que Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, il y a une condition ici, c'est partager avec pas les autres. Donc, frère, sur l'islam, Allah il envoie un guide pour nous capables, avec nous la vie, comme un vrai musulman et musulman de nos salariés là. Pour nous capables de vivre sur l'obéissance et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous ne sommes pas capables d'atteindre cet objectif-là sans qu'il nous connaisse qu'il a dans sa Coran. Donc il est bien important qu'il nous fasse effort pour nous apprendre qu'il a dans le Coran parce que c'est ça qui pour faciliter le chemin de la terre et pour amener nous, Inch'Allah, vers une destination finale. الجنة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيسون إسلام الله سبحانه وتعالى نتيجة القرآن يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات
Allah hidupkan bangkitan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu. Bangkitan iman Allah hidupkan. Mais ici dans sa pièce là, Allah fait la tâche une petite chose en haut. Un élément important. Qui élément? Walladhina utu al-'ilma darajat. Bangkitan de la connaissance se grade. En d'autres mots, bangkitan prend la connaissance en considération, puis de mise sur l'importance, puis la prime, connaissance islamique, connaissance qui vous bénéficie de tout, puis la aide à l'Afrique, ça maintenant, qui Allah honore, Allah élevé son dans grade. Sinon, on vit pas en bas, qui Allah élevé nous dans grade. Honore nous fait sur l'islam, avec nos imams seulement, il n'y a pas pour passer, puis il y a la connaissance aussi. Fait sur l'islam, Azodji est à nous faire un constat. En général, dans nos sociétés, nous, à Maurice, au niveau des musulmans et musulmanes, connaît qui est là beaucoup parmi nous, musulmans et musulmanes. Le bon mot qu'on nous dit, comment bien qu'on nous dit. Nous prenons un exemple. Concernant sa grande ibadette qui Allah est bien content qu'après le salat. Posez-vous la question, frère, sur l'islam en tant qu'il y a un musulman, une musulmane, combien parmi nous qui connaît une condition qui disait là avant qu'il nous fasse le salat? Combien parmi nous qui connaît, qui va le pilier qui est là dans le salat, qui dit important, qui est obligatoire? Combien parmi nous qui connaît pas le sunnah qui est là dans le salat? Nous tous qui nous faisons le salat, quand on allait nous faire le salat, nous faisons le salat. Nous faisons le salat encore, Inch'Allah. Mais qui qualité de salat qui nous fait faire quand nous ne parlons pas de condition, nous ne parlons pas de piquet, nous ne parlons pas de sunnah? Pose la question. Mais jusqu'à quand nous pouvons nous faire une qualité de salat pareil? Et là, possible. La possibilité qu'il y en a parmi nous de faire ce soir-là, mais ce soir-là n'est pas accepté. Parce qu'il fait, il n'est pas qu'il satisfait la condition qu'il disait. Ou bien il n'y a un pilier. Et là peut-être qu'il peut mettre en face de sunnah, des petits piliers. Tout ça là, il y a. Je vais donner un exemple de l'Ibadat. Comme ça, aujourd'hui, par l'ignorance qu'il est là pour nous dire, nous pouvons vivre une qualité de la vie indifférente. En d'autres mots, nous pouvons vivre la qualité d'amis côté là. Nous pouvons commettre pas de choses, pas de péché. Nous pouvons tomber dans l'Allah sans qu'il nous prenne en considération. Frères sur l'islam, Alhamdulillah, Allah fait une fin de faveur avec nous au moins. Vous dites pourquoi avec un jeune garçon sur vous. Connaissez-vous frère en islam, un sur l'islam, il y a beaucoup de jeunes. Oiseau, il n'y a pas qu'on fait. Pas qu'on dit drôle. Parce que maman, papa, pas qu'on fait oiseau. Et maman, papa, papa, donne l'importance à la connaissance islamique. Si oiseau, il n'y a pas qu'on fait, est-ce qu'il est pour qu'on fait à vous seul? Il n'y a pas qu'on aimer, pense au vous seul cassé. Et il fait un amas. Il connaît peut-être un amas, c'est pas. Mais c'est pas qu'il ne connaît pas les affaires à vous seul, il fait un amas, il fait un amas. Et il n'y a pas qu'on aimer, comment faire à vous seul? Combien de jeunes filles depuis la tête d'âge de la puberté, la loi, il n'a pas de la loi spécifique à lui. Mais seulement, il n'y a pas qu'on s'en bat dans la loi là. Mais il y a un musulman. Il y a un musulman. Pression d'histoire. Azodji, malheureusement, nous mettons beaucoup d'importance à la connaissance académique. Oui, dans le monde qui nous fait vivre, nous donnons une maurice. Nous visons une importance connaissance académique. Mais pour quelle raison nous faire la connaissance académique prévaloir de la connaissance islamique en tant que musulmans et musulmanes, nous pouvons pas devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il comme ça dans la vie vis-à-vis de nos enfants. Mais si vous avez le contraire, c'est que la connaissance islamique vient à être une priorité après ça la connaissance académique. Et maintenant, aucune question d'islam. Donne valeur à la connaissance.
Al-Quran fasih tu banza apa pun yang jadi di sosok kali ini. Isyatu Al-Quran. Isyatu Al-Quran. Combien par minute qu'il finit là, beaucoup par minute par parent, qui n'a pas encore à l'école, finit téléphone ma confession à tous les sons. Tel jour, tel jour, tel style, tel style. Vous dépensez quand je vous dépensez là. Mais combien par minute par parent qui prend, il est ressenti intérieur de lui. Qui moi j'en prends, il part comme lire le Coran, moi qui j'ai montré le Coran. Moi j'en prends, il part comme dire. Moi, bizarre, moi, ma place que j'ai enseigné pour avoir mes enfants. Et moi, j'ai l'enfant à ce jour-là. Bien dit, Illa ma rahim Allah, excepté ma kalla ina pitié pour ce. Oui, il y a sa qualité par moi, alhamdulillah. Qui pour lui, la connaissance islamique, c'est priorité sur mes enfants. Après ça, il y a une connaissance académique. Et par l'eau d'Allah, nous qui sommes mes enfants-là. De temps, nous mettons du côté académique, nous mettons un NPF, un moment incroyable, parce qu'il fait, parce que je finis de me valer la connaissance islamique. Je finis de me valer sa connaissance, qui pourra bien nous donner la crainte que ce créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah finit de prendre cette responsabilité. Pression islam. Commencement de l'année, le tout là, tu as tout mal parent, le PPS est beau pour nous, mes enfants, de gagner ma connaissance. Surtout académique, mes frères sur l'islam, 2500 enfants-là, sa qualité de connaissance, qui pour éduquer, pour vivre comme un vrai musulman et musulman dans la terre d'Allah. 2500 enfants-là, sa qualité de connaissance, qui quand nous vivons les villes en bas la terre, nous vivons beau nous en tant qu'il bat de parents, 500 enfants-là, ils pourraient l'éclamer avec Allah, oh Allah, pardonne-moi, maman, mon papa, oh Allah. Ils pourraient connaître droit sur maman, papa, mais après je t'amour. Donne nous enfants sa qualité de connaissance islamique, la pression islam, qui pourra mettre vers une destination qui nous pourra contenter, Inch'Allah, Al-Jannah. Alors, pression islam, voilà l'intimité concernant l'importance, la connaissance. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour accueillir la connaissance islamique, connaissance qui pour aide nous pour vivre comme un vrai serviteur, l'eau là. Connaissance qui vous fait nous faire différence entre halal et haram. Connaissance qui permet nous, côté là, quand nous adorons Allah, nous adorons avec un amour différent. Quand nous adorons Allah avec un prière et quand nous adorons avec un amour. Et ça, c'est juste à travers que nous créateur et qu'on s'amène vers sur l'islam. Connaît qui? Ma solution qui nous est là, c'est qui, pour que cause vous ici en présent, normalement, nous n'avons pas un cours collégien. Qui a dans sa moitié pour un jeune collégien de former à HSI, qui là, pendant les orales, pendant les 2h25 jusqu'à 5h, de caparons de ce jeune malgosse, nous n'avons pour collégien pour une jeune fille aussi qui dans sa moitié le matin, nous n'avons pas de ça. Alors, nous n'avons pas de trouver une excuse pour qui nous avons des enfants, pas de la connaissance profitable. Pour une connaissance qui pourrait être pour vivre comme un vrai musulman et musulman d'eau sur la terre. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa Allahumma ala al-khulafa'i ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ridwanullahi alayhim ajma'in wa an sa'il as-sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في كل مكان. انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان يولى كلمتك يا الله. انصرهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم. اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين. دمر اليهود ومن والاهم. دمر المؤذين في كل مكان. دمر بشار الأسد وجنوده ومن والاه يا الله. اللهم أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة